Eh bien, salut les routiers, c'est RB1800, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Fret en ligne, donc cette fameuse série dans laquelle je vous donne des informations dans le multi de Euro Truck Simulator 2, mais tout en roulant tout seul. Donc, je vais vous expliquer certaines choses par rapport à la chaîne, donc des trucs qui vont venir, des choses, des mauvaises ou des bonnes nouvelles, peu importe. Donc, voilà. Alors, je vous dis déjà le trajet du jour. Alors, nous partons de Birmingham, qui se trouve en Angleterre, pour aller à Calais, au nord de la France. Donc c'est parti. Alors sans plus attendre, je démarre. Donc je suis avec un Scania R730, voilà, et puis je transporte une foreuse D50 de 8 tonnes, donc qui est inclus évidemment dans le DLC High Power Pack. Donc le voici si jamais. Voilà, c'est celui-ci, donc il est plutôt sympa. Donc alors nous sortons de la ville. Alors justement je voulais vous parler, donc vous l'avez sûrement vu dans le titre de quoi je vais vous parler. Mais tout d'abord je voulais quand même dire quelque chose avant de parler de ce sujet. Je voulais quand même donner toutes mes condoléances à ce qui s'est passé justement dans l'attentat qu'il y a eu à Paris justement le vendredi 13. Donc voilà, je me suis mis quand même à la place des familles ou des proches des victimes. Et puis c'est vrai que c'est quand même très triste, donc bon, je voulais quand même vous donner toutes mes condoléances. Et puis restez fort quoi, voilà, c'est malheureusement bah, c'est comme ça quoi, il y a toujours des cons pour faire pour foutre la merde, en gros c'est ça hein. Voilà, j'évite les vulgarités, mais là franchement c'est le cas de le dire, c'est vraiment triste quoi. Donc vraiment désolé pour vous. Donc voilà, je voulais quand même vous dire ça parce que bon, c'est tout simplement une question de respect, hein. Donc voilà, mais bon, vu que c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas en dire plus. Vous m'avez compris. Donc bon, maintenant nous allons partir dans le sujet justement de la vidéo d'aujourd'hui. Excusez-moi. Donc justement, le sujet, vous l'avez vu dans le titre, c'est par rapport à la TTH Rule. Donc enfin non, je l'ai pas écrit dans le titre, mais oui, en fait j'avais marqué dans, ouais, je vais écrire plutôt dans le titre parce qu'en fait j'ai même pas fait le titre encore. Mais bon, il y a des nouvelles informations, puis justement c'est par rapport à la TTH Rule. Donc cette série qui marche assez bien, qui est plutôt assez plaisante, enfin je veux dire pas mal de gens l'aiment sur ma chaîne YouTube, ça reste quand même l'une des séries qui marche le mieux. Et surtout pour mes chers collègues de la TTH. Donc je rappelle que la TTH c'est une entreprise virtuelle qui se nomme Transportoma, mais TTH c'est son abréviation. Ah, je la vois complètement cassée ce soir. Et puis justement, bah, je faisais déjà une série pour ceux qui me suivent, c'est la série TTH Rule, donc qui consiste à vous montrer chaque semaine le convoi du vendredi soir que nous faisons justement pour nous retrouver entre collègues et puis tout ça. Donc je vous annonce officiellement que cette série justement va s'arrêter. Donc je vais vous expliquer quand même les raisons, parce que oui, il y a des raisons, hein, forcément, je vais pas arrêter une série pour rien. Donc, bon, déjà, je trouve qu'en ce moment, dans l'entreprise, enfin non, c'est pas vraiment dans l'entreprise, moi je m'entends bien avec toute l'entreprise, mais le truc, en fait, c'est que dans la TTH Rule, justement, j'avais tourné la vidéo de cette semaine, donc vendredi 13, et puis, il y a, en fait, on était 12 ou 13, je sais plus, 12, il me semble. Et puis justement, il y a des problèmes, c'est que certaines personnes restent quand même sérieuses durant le convoi et tout ça. Du coup, bah c'est cool, on s'amuse et tout. Mais il y a toujours des gens qui roulent pas sérieusement, des gens qui sur Mumble ne font n'importe quoi. Enfin, ils parlent de n'importe quoi. Enfin, en gros, ils parlent pour rien dire. D'autres personnes qui conduisent pas sérieusement, qui ne suivent pas, d'autres qui lagent, mais bon, les lags, ça, on n'y peut rien. Mais bon, en gros, c'est un manque d'organisation. Puis moi, en plus, vu que je capture ces convois à chaque fois, bah, ça me donne un coup de stress. Et puis, bah, du coup, ça me saoule un peu. Du coup, bah, j'ai décidé d'arrêter cette série. Sauf, il y aura peut-être des épisodes, justement, de la TTH Rule encore. Mais de temps en temps seulement, c'est exclusivement si un jour je suis avec des collègues justement, bah, on sait pas quoi faire, on est 3 ou 4, puis qu'on a envie de faire un convoi, pourquoi pas faire une TTH Rule encore une fois, mais à l'improviste, vous voyez. Et puis, justement, bah là, je veux quand même arrêter la série. Donc, pour les collègues de la TTH, je vous dis quand même, les convois du vendredi soir continuent. Mais c'est juste que je vais plus les capturer. Du coup, bah, il n'y aura plus la TTH Rule, voilà. Donc ça, je suis un peu déçu.
Donc ouais, voilà ce qui m'a vraiment démotivé, c'est le comportement de certains pendant les convois. Donc justement, nous on a imposé des règles avec mes autres collègues et puis ils ne respectaient pas forcément. Et puis bon, aussi il y a d'autres raisons qui pour laquelle j'arrête la TTH Rule, qui sont par exemple les qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est le temps de montage, voilà. Donc moi, je suis quelqu'un à la base, je voulais faire une chaîne YouTube, mais je voulais pas passer des heures de montage. Moi, je veux juste vous faire partager ma passion qui est les camions. Donc là, en l'occurrence, c'est sur ETS2. J'aimerais bien vous faire partager ça, mais sans passer des heures de montage. Parce que bon, moi, j'aime bien monter les vidéos, mais y passer trop de temps, ça, je suis lassé. Honnêtement, je suis lassé. Puis justement, la TTH Rule, ça reste la série dans laquelle je passais beaucoup, enfin le plus de temps de montage par rapport à toutes mes autres séries. Et justement, je préfère arrêter aussi pour ça, parce que c'est vrai que le samedi, enfin le lendemain du convoi, je passe la moitié de ma journée devant mon PC rien que pour les montages. Puis bon, honnêtement, je préfère faire autre chose que de monter des vidéos. Oui, bon, vous l'avez peut-être remarqué avec ma voix, je suis... Ouais, je suis pas très enchanté de faire cette vidéo justement à cause de ça. Parce que ouais, voilà, moi j'aurais bien voulu continuer cette TTH Room, mais malheureusement elle se fait pas toute seule. Et puis je suis un petit peu déçu, quoi, honnêtement. Que ce soit pour le comportement de certaines personnes, que ce soit pour justement ce temps de montage. Donc voilà, sachez que j'aime beaucoup faire les convois avec mon entreprise virtuelle. Et puis voilà, j'aime bien monter mes vidéos aussi dans la TTH Rule. Mais bon, c'est vrai que je passe beaucoup trop de temps. Et puis j'estime que je pourrais me procurer enfin, je pourrais me procurer ce temps-là pour autre chose de plus important dans ma vie. Parce que bon, évidemment, j'ai une vie privée. Et puis je ne peux pas que me procurer mon temps libre sur YouTube ou pour les montages vidéo. Donc voilà, quoi. Donc comme je vous l'ai dit avant, il y aura sûrement encore certains épisodes de la TTH Rule, mais vraiment seulement si un jour je suis avec des collègues puis qu'on sait pas quoi faire, bah pourquoi pas faire une petite TTH Rule rapidement. Mais à l'improviste. Donc sinon les convois prévus le vendredi soir, ils ne seront plus capturés par moi. Donc voilà, quoi, je crois que c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça justement. Donc par rapport à ces convois de TTH Rule. Donc ouais, ça va sûrement en décevoir certains. Donc bon, vous pouvez disliker la vidéo, ça me dérange pas du tout. Vous pouvez mettre des commentaires salauds, tant pis, je m'en fous. Moi, je n'y peux rien. Je n'estime pas que je devrais me procurer autant de temps. Enfin, bon, voilà, quoi. Je sais que c'est une vidéo qui pourrait décevoir beaucoup de gens justement à cause de ça. Ça me déçoit aussi moi justement, mais bon, je voulais quand même vous faire une vidéo en particulier par rapport à ça, justement parce que c'est quand même une grosse info du fait que cette TTH Rule, ça c'est quand même l'une des grosses séries de ma chaîne YouTube. Donc beaucoup de gens sont venus justement dans, enfin ils se sont abonnés dans ma chaîne YouTube probablement grâce à cette série. Donc bon, voilà, quoi, mais je ne peux plus faire d'épisodes de plus, enfin des épisodes en plus, parce que voilà, quoi, j'aimerais pas me forcer à faire quelque chose que je n'ai plus trop la motive de l'effectuer, tout simplement. Moi, quand je fais des vidéos, c'est vraiment parce que je le fais pour le plaisir. Bon, là, en l'occurrence, pour cette vidéo, je me fais pas vraiment plaisir du fait que je vous annonce une mauvaise nouvelle. Donc je pense que ça s'entend avec ma voix. Mais voilà, quoi, vraiment, ça me fait chier, quoi, d'arrêter ça. Mais voilà, j'ai pas envie de... À la fois, vous voyez, ça me fait chier d'arrêter, mais à la fois, je suis un petit peu soulagé, dans le sens où je ne passerai plus autant de temps à faire des montages, parce que c'est vrai que le montage, j'aime bien, mais quand c'est trop, c'est trop, quoi. Je n'arrive pas à faire autant. Donc je suis en réserve, super, donc je vais peut-être devoir remplir après. Donc je sais pas si j'aurai assez. Oui, j'aurai assez. Écoutez, je vais pas remplir jusqu'à Calais. Ça devrait être assez rapidement, du fait que nous sommes déjà dans le périphérique de Londonien, et puis il nous reste 288 km. Ah non, ça va être juste en fait. Ah ouais, ça va être chaud. Ouais, mais on a le tunnel sous la Manche, d'accord. Qui fait, allez, une cinquantaine de kilomètres peut-être. Donc bon, je pense que j'aurai assez. Je mets quand même le petit compteur là d'autonomie. Voilà, très bien. Donc bon, c'est une... voilà, cette mauvaise nouvelle, c'est...
Voilà quoi, bon après j'imagine que ma chaîne YouTube c'est pas toute votre vie, hein, évidemment, il y a bien d'autres YouTubeurs qui vous intéressent plus. Du coup, voilà, je pense pour certains qui aiment cette série, vous allez vous dire, bon bah tant pis, c'est dommage, c'était une bonne série. Au contraire, d'autres pourront dire, ah, tant mieux, une série de merde en moins, c'est cool, ou je ne sais quoi, voilà, peu importe votre opinion. Mais bon, moi je n'aimerais plus me forcer à faire quelque chose dans lequel je ne prends plus autant de plaisir. Sachez juste que les premiers épisodes, je passais. Enfin, je me faisais vraiment plaisir, quoi. J'aimais bien faire cet ETH roll. Mais je sais pas, avec le temps, je n'ai plus trop la motive de le faire. Donc, forcément, je vais en décevoir certains. Donc, bon, pour mes collègues de la TTH, vous êtes déjà au courant. Voilà, je leur avais annoncé ça au convoi. Pendant le convoi, justement, parce que ça m'a. C'est surtout à certaines personnes qui se reconnaîtront sûrement qui m'ont un peu saoulé pendant le convoi, et puis bon, bah j'ai perdu toute motivation à faire ça. Du coup, bah voilà, j'ai dit non, j'arrête tout. Je ne fais plus la TTH roll, c'est terminé. Et puis voilà quoi, je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. En espérant quand même que vous me comprenez, hein, que vous allez pas me spammer de messages salauds ou je ne sais quoi. Mais voilà quoi, je ne prenais plus autant de plaisir, donc je préfère franchement arrêter et en décevoir certains plutôt que de me forcer moi-même puis continuer à faire plaisir à certaines personnes. Donc là on arrive sur la M2. Donc bon, je parais un peu déprimant avec ma voix, c'est vrai. Non mais je suis un peu déçu, non mais en plus voilà, avec ce qui s'est passé là à Paris et puis ce qui s'est passé justement pendant le convoi, enfin tout ça, c'est vrai que j'ai pas. Je suis pas très bien, enfin ouais, c'est vrai que ça m'a vraiment fait mal quand j'ai appris cette nouvelle là. Quand même 128 morts, c'est assez choquant. Et 300 blessés, il me semble. Voilà quoi, mais bon, ouais, je vais pas trop en rajouter sur ce sujet là parce que bon, je sais que pour certains ça peut les blesser ou je ne sais quoi, mais bon voilà. De toute façon, je vais pas vous décrire ce qui s'est passé du fait que vous. Je pense que vous en savez autant que moi, du coup je vais pas vous faire un dessin, vous l'avez compris. Mais ouais, c'est vrai que entre ce qui s'est passé là et puis le convoi, la démotivation de la TTH roule, tout ça, c'est. Ouais, c'est vrai que ça pourrait mieux aller pour moi, mais bon après, tout va bien sinon. Alors là, il y a des gens arrêtés sur le côté, je sais pas ce qui se passe. Oula, ça lag par contre, il y a peut-être des gens. Ouh, 21 personnes, ah ouais, effectivement, il y a un convoi de S-Motra. Il y en a plein. Ah oui, bah voilà, c'est eux. Ouais, bah dis donc, c'est un gros convoi. Justement, ce matin, je me suis connecté avec des collègues sur Mumble. Donc des collègues de la TTH. Ils étaient à Londres ce matin. Donc quand je parle de ce matin, c'est samedi. Samedi 14 novembre. Parce que oui, je sais pas si je vais poster cette vidéo samedi soir ou dimanche, donc demain pour au moment que je parle maintenant. Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, samedi matin. J'étais avec des collègues justement et puis ils sont allés à Londres et puis ils ont lagué comme des gros porcs. Je leur ai demandé pourquoi et puis ils m'ont dit ouais, il y a 130 personnes à London. Donc 130 personnes, c'est pas rien. Et puis justement, bah, ils m'ont dit que c'était tout simplement parce que c'était, enfin tout simplement, ouais, c'était pour rendre hommage justement à toutes ces victimes dans l'attentat. Donc en fait c'était un gros convoi pour aller de London à Paris. Mais quand même beaucoup de gens se sont procurés du temps dans ce convoi. Vraiment pour eux quoi. Donc ça fait quand même. On voit quand même que on est solidaire quoi. Enfin, c'est une preuve de solidarité du peuple quoi. C'est super. Après bon, j'ai aussi joué à Gario avant. Un petit coup, voilà. Et puis justement, j'ai vu plein de gens, ils avaient écrit Pray for Paris ou un truc comme ça. Voilà, je sais plus ce qu'ils avaient écrit. Ouais, ils avaient écrit ça, il me semble. Enfin, bref, dans toutes les parties, c'était écrit ça. Sur Track 2, il y avait plein de trucs comme ça. Enfin, voilà, ça prouve vraiment que c'est. On est solidaires, quoi. Vraiment, les habitants sont solidaires entre eux. Donc voilà, après, les plus attristés, ça. Enfin, ouais, je pense que tout le monde est un petit peu. Est quand même triste. On est bien d'accord, ça nous a fait tous un choc. Et puis bon, forcément c'est triste. C'est ça s'est appris un peu partout, je pense, dans le monde, du fait qu'il y a eu aussi les monuments qu'ils ont
Enfin, plein de monuments du monde qui se sont illuminés avec les couleurs de la France. Et puis justement, ça fait quand même plaisir qu'il y ait autant de gens qui sont solidaires comme ça. Mais ouais, c'est vrai que ça a fait un choc un peu à tout le monde. Puis justement, j'y reviens, tout le monde était un peu triste, mais c'est sûr, les plus tristes, ça restera quand même les familles et puis les proches de ces victimes-là, quoi. C'est vrai que c'est pas la joie, quoi. On est bien d'accord. Moi, je suis. Ouais, je pense que ça s'entend, quoi. Je n'ai pas. Je suis pas très heureux actuellement, quoi. C'est vrai que ça a fait un choc. Donc, bon. En espérant que cette vidéo vous lasse pas trop, parce que c'est vrai que. J'ai l'air d'un. Enfin, bon, là, je m'écoute pas, mais je vais dire, je pense que dans la vidéo, j'ai l'air juste d'un déprimé de la vie ou je ne sais quoi. Mais. C'est clair que. Voilà, quoi. C'est pas le moment vraiment d'être heureux, quoi. On est bien d'accord sur ce point-là. Donc là, on arrive au tunnel sous la Manche. Par contre, j'espère pas qu'il y aura trop de gens à Calais. Ouais, normalement, il y a du monde là-bas. J'espère pas que je vais laguer comme un gros porc. Parce qu'avec la capture, j'ai encore plus de baisse d'FPS que d'habitude. Enfin, encore sans la capture, ça va. J'ai pas des grosses baisses d'FPS. Mais quand je capture avec action, justement, ça me bouffe pas mal d'FPS. Du coup, ça. C'est vrai que si je me retrouve à 10 FPS en commentant, ça va pas être super. Donc allez, on va prendre le train ici. Très bien. Alors ouais, par contre, oui, ce trajet, normalement, je dois le compter pour les feuilles de route de mon entreprise virtuelle. Donc là, je suis à 16 minutes de vidéo. Donc là en IRL, enfin là il est 19h33. Donc moins 16 minutes, ça doit faire. Ouais, il était 17. Donc 19h17, je vais l'écrire. Donc ouais, je marque l'heure de départ, l'heure d'arrivée, les dépenses. Comme là, on va dépenser 300 euros de train. Donc j'écris. Voilà, et nous arrivons en France. Très bien. Donc 300 euros, c'est bon, c'est payé. Alors, on y va. Alors, est-ce qu'il y a du monde ici? Ah ouais, 17 personnes quand même. C'est dingue. Pourtant, il me semblait que il y a quand même moins de monde au tunnel sous la Manche qu'auparavant, je trouve. Donc bon, là, il me reste tout juste assez de carburant normalement avant d'arriver à Calais. Donc ça va. Je ferai mon plein hors vidéo. Mon volant qui vibre pas mal parce que je vais assez vite en tournant. Oh, là-bas il y a du monde. Ah, il y a un convoi de Carrefour là. D'accord. Par contre, ils vont pas très vite, ça m'énerve. J'aime bien aller vite, moi. Enfin, vous l'avez vu, hein, je pense. Je suis tout le temps à 110 km/h. Voilà quoi, je prends pas mon temps, quoi. Je suis plutôt rapide au niveau de ça. Bon, allez, fonce. Emmerde pas. Bah voilà, regardez. Ceux devant là, ils ont mis le hashtag en rouge là. Pray for Paris. Voilà, c'est ce que je disais qu'il y avait sur Agario, justement, que j'ai lu avant. Donc bon, je pense que pour la plupart des gens, ça vous a fait penser à. Enfin, quand il y a eu ça. Cet attentat, ça vous fait sûrement penser à Charlie Hebdo aussi, qu'il y a eu en début d'année. Mais c'est quand même dingue que qu'en un an, quoi, il y a eu déjà deux attentats plutôt graves. Bon, celui-ci est encore plus grave que celui de Charlie, hein. Mais. Enfin, de mon point de vue. Après, bon, c'est quand même dingue que dans la même ville comme ça, il y ait deux attentats en une année, quoi. C'est vrai que c'est quand même chaud, quoi. Moi, personnellement, en ce moment, j'aimerais pas trop aller à Paris, quoi. Ça fait quand même flipper, quoi, quand on regarde maintenant comme ils renforcent les frontières, la France et tout ça, quoi. Bon, heureusement d'ailleurs. Justement, moi j'habite en Suisse, hein, je vous le rappelle. Et puis, justement, la une des journaux en Suisse, c'était aussi par rapport à cet attentat. Et puis aussi dans les aéroports, l'aéroport de Genève, notamment, ouais, notamment l'aéroport de Genève, il contrôle beaucoup plus maintenant les avions en provenance de Paris et tout ça. Donc bon, voilà, on sait jamais, peut avoir à tout moment un autre attentat, c'est totalement des imprévus, quoi. C'est des imprévus et très risqués, quoi.
Très bien. Alors ouais, sinon, alors je vais vous parler quand même aussi vite fait avant d'arriver à Calais des séries qui continuent sur ma chaîne. Donc ou purée, par contre là j'ai plus que 9 litres dans mon réservoir, il faut que je consomme un peu moins. Donc si jamais, alors les vidéos qui vont venir, alors bientôt, j'ai bientôt fini le montage du prochain fou de la route. Normalement il devrait venir, ouais, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Ça devrait venir assez vite. Parce que bon là j'ai presque assez de fous requis pour faire une vidéo entière. Après bon bah la TTH, je trouve, je l'ai dit, c'est terminé maintenant. En espérant vraiment que ça vous déçoit pas par contre. Hein. Après, si je vous si ouais, si vous êtes déçu ou comme ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour voir quand même à quel point cette série vous plaisait ou comme ça. Si après elle vous le plaisait pas, bah tant mieux quoi. Comme ça arrangera tout le monde. Mais bon, je sais pas. Voilà, je sais pas trop. Par contre là j'ai plus de gasoil, ça me fait flipper quoi. Il me reste plus que 5 litres. Autrement, ouais, Train Valais. Alors oui, ça continue évidemment. Donc ouais, je vais faire. Bah, je pense après cette vidéo, bah, la prochaine vidéo, ça sera l'épisode suivant de Train Valais, donc le numéro 4 si je me trompe pas. Ensuite, bon, les découvertes de map, bah ouais, en ce moment il y en a un petit peu moins. Bon, dernièrement j'ai fait la Poland Rebuilding, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins parce que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup moins de maps intéressantes. Enfin, c'est clairement, les maps d'aujourd'hui sont. Enfin, ouais, il n'y a plus trop de maps intéressantes. Il y en a moins qui sortent. Il me reste plus qu'un litre, j'ai peur. Et bon, bah, du coup. 0 litre, oh putain. Bon, je crois que je vais devoir appeler le réparateur là. Je vais pas pouvoir terminer. C'est clair, je vais tomber en panne là. Ouais, bon, bah, je pensais que j'allais avoir assez. Écoutez, je me mets sur le côté, ça sert à rien que j'insiste. De toute façon, ça va planter. Du coup, je vais appeler le réparateur. Alors, F7. Entrée. What? J'ai eu un dégât ici. D'accord. Enfin, 1% de dégâts. Bon, bah, à Calais. Bon, de toute façon, on était déjà à l'entrée. Donc, bon, on a fait tout le trajet quand même dans la vidéo. Donc. Alors, ouais, j'ai quand même 1%. Je sais pas d'où ils viennent, mais bon, c'est pas grave. Alors, bah, justement, je vais en profiter pour pour réparer ça. Je sais pas ce que vous en pensez de mon scanner. Moi, je le trouve plutôt sympa aussi. C'est cool. Donc oui, comme je le disais, pour les maps, donc les découvertes de maps, ouais, justement, il y en a un petit peu moins à cause qu'il y a beaucoup moins de maps qui m'intéressent actuellement. Mais bon, à chaque fois que je vois une map plutôt intéressante, je n'hésite pas à faire une vidéo dessus, évidemment. Donc évidemment, ça continue. Mais quand sera la prochaine découverte de map, ça, j'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. Vite, je passe avant que l'autre il arrive. Par contre, là, ici, ça lag, hein, je suis à 19 FPS. Ouais, bah il y a 25 personnes, forcément. Ouais, bah il y a souvent du monde ici à Calais. En plus, c'est quand même samedi soir là, donc il y a toujours du monde le samedi. Le soir surtout. Le matin, pas trop. Enfin, le matin, ouais. Il y a quand même. Ouais, il y a 800 personnes quand je suis allé à 10h du matin. Ce matin même. Donc, on va se garer, écouter, puis bon, on va se laisser là. Donc, bon, c'était une vidéo. Ouais, c'était pas vraiment la joie et la bonne humeur, quoi. Je pense que ce soit pour vous ou pour moi-même. Donc, bon, ouais, je me gare en même temps que l'autre. C'est pas très poli de ma part, mais bon, tant pis, je m'en fiche. En même temps, il sait pas se garer, donc il se débrouille. Voilà. Bon, je suis pas mieux, moi. J'ai un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Donc, T. Alors, voilà. Donc, bon, je fais une petite capture d'écran pour ma feuille de route sur ma VTC, la TTH. Tac, très bien, donc je suis niveau 37, c'est très bien. Donc bon bah on va cesser là, donc les photos, ouais, je vais les laisser. Alors, je m'éloigne comme ça les autres ils peuvent avoir une meilleure visibilité pour se garer. Donc écoutez, bah on va cesser là, donc bon c'était une vidéo, voilà, pas très dans la joie, je vais pas vous mentir que même moi ça me fait pas très plaisir de faire cette vidéo là, hein, vu ce qui s'est passé là à Paris. Aussi bah ce qu'il y a justement dans le... par rapport à la série TTH Rule. Donc bon, ça c'est plutôt le problème de ma chaîne, hein. Donc c'est pas vraiment un problème majeur si je peux me permettre. Donc bon, mis à part ça, je sais pas pourquoi mon tab marche pas. Ah ouais, j'ai cliqué F11 avant, ok. Donc bon, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo quand même. Voilà, donc bon, je vais pas dire j'espère qu'elle vous aura plu parce que bon, je pense pas qu'elle va vraiment vous plaire. Même moi, ça me plaît pas trop de parler de tout ça, mais bon, j'étais un peu obligé. Bon, à la base, cette vidéo c'était vraiment pour vous parler que la TTH Rule serait terminée, mais bon, il fallait aussi bien que je parle
de cet attentat, quoi, parce que ça a marqué bien tout le monde, puis bon, y compris moi. Du coup, j'étais obligé de... Enfin, de mon point de vue, il fallait bien que j'en parle un peu. Donc bon, alors lui, je sais pas ce qu'il fait. Mais bon, tant pis. Donc bon, bah c'est sur ce que je vais vous laisser. Donc bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour les informations, j'espère que je vous aurai pas trop déçu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je vous dis à la prochaine, je vous souhaite quand même bonne route. Et puis voilà, encore une fois, désolé pour les familles et les proches des victimes, quoi. Soyez forts et bonne route. Ciao ciao tout le monde.